trêve. Guérissez facilement de vos blessures pendant 5 minutes, les frappes vous infligent de fois de dégâts. Augmente la force et provoque une rage sanguinaire. Je sais pas si on peut cumuler les deux. De la gare. Formez la ligne. Occupez-vous de ces archers avant qu'on y reste. Herboriste, mais je m'en fous, ça je le ferai plus tard. Combat. Allez, je coupe. Abattez ces archers, vite! Ils ont déjà fui ces enculés. Allons-y! Plus à part! Halte! Victoire! Pourquoi tout à coup j'ai pose de mort ce mec là, c'est quoi ce bordel? Putain, ils sont des archers.
Putain d'archi de merde. Enfoiré. Et pourtant, je suis encore là. Quoi? Mais t'es qui, toi? Tu ne te souviens plus de moi? Moi, je me souviens de toi. Où est ma putain d'épée? Qu'est-ce que tu baves encore? Quelle épée? Je pensais qu'on t'avait laissé au corbeau. T'es un petit dur à cuire, hein? Qu'est-ce que tu as fait de mon épée? À en juger par notre dernière rencontre, tu as commis une grave erreur en venant ici. Une épée! Mais bon, peut-être que t'es devenu plus coriace. Je l'espère. Car c'était trop facile la dernière fois. Tu vas avoir connard de merde. Par les sceaux du Christ.
Ah, c'était obligé ça. Trop pris de coups dès le départ. Trop chaud. Je m'entraîne à l'épée là, c'est trop chaud. J'imagine que je peux rien prendre. Bah ouais, tu m'étonnes. Tiens, foiré de suceur de queue. Je dirais que tu fouettes un cheval mort.
Tu l'as tué, tout seul. Bien joué, beau travail. Je suis bluffé. C'était un colosse, cet homme. C'est lui qui a attaqué Neuhoff. Il volait votre épée, monseigneur. J'avais cru le deviner. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Si on l'avait eu vivant, le bourreau aurait pu lui soutirer des informations. Bref, ce sont des choses qui arrivent dans le feu de l'action. En tout cas, nous avons retrouvé une malle qui débordait de pièces. Ces hommes étaient manifestement très bien payés. Et il y avait des barbares de Sigismond parmi eux. Cette histoire est loin d'être finie. Celui qui a organisé tout ça était haut placé. Ils n'abandonneront pas la première défaite. Ce salaud n'était qu'un pion. Vous avez raison, monsieur. Bon, on reprendra le combat plus tard, hein? Trucidage. C'est la peur qui te quitte. Laisse-la sortir. Allez, oublie tout ça. Un honnête chrétien ne doit pas garder en tête de tels souvenirs. Je n'en suis pas sûr. Jamais je ne veux oublier ça. Il est temps que ces fils de chiens payent pour ce qu'ils nous ont fait. Certes, mon garçon. Mais d'abord, il nous faut du repos. Nous nous reverrons au château supérieur de Raté pour décider de la marche à suivre. Mais en tout cas, vous avez fait du beau travail. Ouf. Enfin, j'ai pu avancer sur ce jeu. Je vais vous le faire payer. Il est temps de passer à la prochaine étape. Fais passer le message. Oui, chef.